Salut, messire Haruna. Ça va, Jackie et Bongo? Bonsoir, Salifou Dembélé. Iron Maniles, on va découvrir ensemble. Thank you, Mefire Haruna. On va découvrir l'équipe entière ensemble, les gars. On va découvrir ensemble. Jules Kombu, tu t'attendais à Nike, eh? C'est vrai que c'est. Je ne veux pas encore aller dans la précipitation. Je ne veux pas parler d'une déception. Attendons voir. On va voir les clauses du contrat. On va savoir si c'est un bon contrat pour nous ou pas. Merci, Djibril a délégué. Merci. Mais les gars, j'ai un souci avec vous. À peine vous partagez les vidéos, à peine. À peine vous partagez. Vous dites toujours c'est bien ce qu'on fait, mais partagez. Le meilleur merci, c'est le partage. Il n'y a pas plus grand merci que de partager. Ne te laisse pas. Qui dit ça? Un bon contrat vu le communiqué. Ne nous laissons pas berner par le communiqué. Ça ne suffit pas. On doit savoir, on doit avoir les chiffres. Là, il n'y a pas encore de chiffres. Ne nous laissons pas avoir. On va voir les chiffres avant de savoir si c'est le meilleur contrat. Pour le moment, on n'a pas encore de chiffres. Laissez les trucs de bus et machin, trucs qu'on a cités là. Tous les équipementiers pouvaient faire ça. Bah, c'est que vous dites que ça avait fuité là, c'était juste les racontages. C'était pas rien n'avait fuité. Ça, c'est le communiqué de la FECAFOOT directement. Vous savez, sur la toile, il y a les gens qui sont vraiment forts dans les fake news. C'est-à-dire, sont capables de s'asseoir et monter tout un truc. Monter un truc qui n'a même pas de source. Et ils viennent balancer. Là, vous avez vu, j'ai pas partagé ça. J'ai vu, c'était un truc comme si c'était réellement un truc qui avait fuité, mais. Je n'ai pas partagé ça parce que je n'ai pas cru à ça. Mais c'est vrai que Puma devait être le meilleur truc dans la qualité, la beauté et tout. Mais après, il y a aussi l'aspect financier. Il ne faut pas négliger ça. Les gars, vous êtes déjà 125. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je lis le communiqué de la FECAFOOT si c'est nécessaire. Si vous voulez, je vais lire le communiqué de la FECAFOOT. Je sais qu'il y a certains qui n'ont pas lu. Voilà, le coq est mangé depuis. Mathieu Kemo, le coq est mangé depuis. Jules Kombu, c'est nécessaire de lire. Merci Patrick Boumson, mais partagez les gars, partagez les vidéos, même le live partagez. Le meilleur merci, c'est le partage. Quand vous venez voir une vidéo, quand ça vous plaît, partagez au moins dans 10, 20 groupes. Ce n'est que de cette façon qu'on peut grandir. Quand vous ne partagez pas, ça n'encourage pas. D'accord, je vais lire le communiqué. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas lu. Je vais lire le communiqué. On est déjà 130. Je vais essayer. Je vais lire le communiqué. Mais je crois que avant de lire, tel que je vois, je crois que c'est plus l'aspect financier qui a parlé, c'est plus l'argent qui a parlé. Sinon, c'est quand même une déception. Je crois que c'est plus l'aspect financier. Du coup, je vais lire, mais ne vous laissez pas surtout tromper par ce communiqué.
C'est vrai qu'on soutient le président de la FECAFOOT, mais il faut aussi dire les vérités. On ne doit pas être comme les moutons derrière tout ce qu'ils font, non. Quand c'est pas bon aussi, on doit dire que c'est pas bon. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est pas bon parce qu'on n'a pas le contrat, on ne sait pas ce qu'ils ont signé. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un mauvais contrat. Mais la marque en elle-même, c'est une déception parce que je sais qu'il y a très peu de gens qui connaissaient cette marque. D'accord, je vais lire le communiqué direct vite fait. Communiqué, la Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la société One All Sport, vous voyez là, je m'embrouille même déjà, One All Sport a été retenue par la commission ad hoc mise sur pied dans le cadre de l'appel d'offres international lancé en vue du recrutement d'un nouvel équipementier de la FECAFOOT. Celle-ci et l'équipementier One All Sport vont s'engager dans une convention d'une durée de 3 ans, dont le contrat est de 3 ans. Ça, c'est les trucs qu'il faut déjà noter. C'est un contrat de 3 ans. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, qui a d'ores et déjà été approuvé par le comité exécutif de notre instance, le nouvel équipementier s'engage à verser à la FECAFOOT une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants. Là, on est déjà calé parce que là, ils n'ont pas voulu nous donner le montant. On est déjà bloqué, il n'y a pas les chiffres. Donc, on ne peut pas savoir. Je continue avec le communiqué. Le partenariat comporte également un engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un bus de standing VIP pour les Lions indomptables du Cameroun. Le nouvel équipementier s'engage également à rendre disponible et à des prix raisonnables des équipements destinés aux fans des équipes nationales. Oui, ça c'est aussi nécessaire. On a besoin de la boutique de One All Sport. C'est déjà signé, les gars. Qu'on le veuille ou pas, c'est déjà signé. Il faut les boutiques de One All Sport dans toutes les villes du Cameroun. C'est important. Dans les 10 villes du Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun, il faut une boutique. C'est ce que Corps Sportif n'avait pas fait. Corps Sportif était allé mettre sa boutique chez Yannick Noah. La suite du communiqué. Eu égard à la confidentialité contractuellement exigée par son partenaire, la FECAFOOT s'abstient de publier le montant exact de la transaction. Là, c'est encore le passé. Samuel Eto'o nous avait déjà habitués à nous montrer les chiffres. Là, on rentre encore à l'ancien temps. Mais elle est en mesure d'assurer qu'il s'agit d'un contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun. Ouais, ça c'est applaudi. Ils ne peuvent pas nous mentir, ce qui est sûr, parce que tôt ou tard on va connaître le montant exact. Mais ils disent que c'est le plus grand. Terme financier, c'est le plus grand contrat que le Cameroun n'a jamais eu. C'est déjà un truc à applaudir. Donc ça veut dire que ça dépasse Puma, ça dépasse Coq Sportif, financièrement parlant. La FECAFOOT remercie tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à l'heureux aboutissement de ce processus de sélection. La signature officielle du contrat fera l'objet d'une annonce ultérieure. Communiqué est fini. Là, on est déjà sûr que l'aspect financier est assuré. C'est le meilleur contrat du Cameroun. On n'a pas encore les chiffres. On n'a pas encore les chiffres, mais c'est une marque. C'est une marque américaine, oui, exactement. C'est une marque américaine, mais qui ne faisait pas dans le football. C'est une marque qui ne faisait pas dans le football. Et qui a décidé de se lancer dans le football. On va attendre les chiffres. Espérons que les chiffres vont fuiter. Parce qu'on ne peut pas rester là sans les chiffres. C'est important de savoir. On était habitué à voir les chiffres.
Qu'est-ce que t'abordes? C'est vrai, laissons Étoffer son job, mais il nous a habitués à nous présenter les chiffres. Nous aussi, on doit connaître les chiffres. S'il commence à nous cacher les chiffres, peut-être ça va continuer comme ça. Non, c'est. Jules Kombou, c'est évident, c'est l'argent qui a pris le dessus. C'est ce que je vous faisais comprendre. Il n'y a que l'argent. Si le Cameroun est habillé par One All Sport, ce n'est que l'argent. Il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est que l'argent. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a que l'argent. Il n'y a que l'argent. L'argent a pris le dessus. Mais après, le football, c'est aussi l'argent. Hein. Il ne faut pas toujours mal prendre. Le football, c'est l'argent. Le football, c'est l'argent. La preuve, c'est que, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, les Français en général se plaignent des Qatariens qui sont en train de mal exploiter les ouvriers. Mais ce sont ces mêmes Français qui ont accepté que les Qatariens viennent investir à Paris Saint-Germain. Vous voyez que tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour. Tout ce qu'on va faire, c'est autour de l'argent. La durée de contrat, c'est 3 ans. 3 ans. Ce n'est pas que Coralie Kinda, ce n'est pas que cette marque peut fournir, mais cette marque dans le contrat doit fournir même le bus. Mais tout ça, c'est rien. Le bus, c'est quoi? Ils ont dit un bus VIP, mais c'est rien. Un bus, c'est quoi? Un bus, c'est quoi? Quand même, moi, personnellement, j'ai été déçu lorsque j'ai appris ça parce que on connaît ce que Puma fait. Et avec le niveau que le Cameroun a. Aujourd'hui, le Cameroun aussi mérite un truc, un bon sponsor, un bon équipementier. J'ai été déçu lorsque j'ai lu ce nom, mais après, il y a l'argent, il y a l'aspect financier qui a pris le dessus. Oui, toi, tu portes ça parce que tu es à Chicago, mais les autres ne connaissent pas ça. On va seulement s'habituer, on va apprendre, sinon on ne connaît pas. Koali Kinda, toi tu connais parce que tu es à Chicago, tu es aux États-Unis, tu connais, mais les autres ne connaissent pas. C'est une marque no-name dans le football, il faut le dire. Cette marque est no-name quand on parle de football. Tout comme Coq Sportif, parlant même de football, Coq Sportif même peut-être était mieux. Parlant de football, et là moi je, honnêtement, parlant de football, Coq Sportif aujourd'hui quand même a bien un certain nombre d'équipes et de pays. Mais One All Sport, parlant de football. Je sais pas, j'ai pas encore vu le nombre. Merci Kamen Sport. Merci Kamen Sport 55. Merci. C'est Kamen Sport d'Instagram. C'est le même Kamen Sport d'Instagram. Oui, c'est vrai, quand c'est pour moi, tout le monde achète le maillot, mais cette marque, certains auront même l'impression que c'est même une marque camerounaise. C'est aussi ça. Mais après, il y a l'aspect financier, les gars. Samuel Eto'o veut changer le football camerounais. Pour faire ça, il faut l'argent. Vous croyez que son argent personnel va suffire, non? Ça ne peut pas, il faut l'argent. Il faut l'argent. Moi, je ne suis pas totalement contre. C'est vrai que la qualité du maillot, tout ça, on ne sait pas. Mais parlant du nom, c'est nous qui allons faire cette marque en Afrique et dans le football. C'est le Cameroun qui doit faire cette marque. Ça, il faut le dire. C'est le Cameroun qui doit faire cette marque. Et je crois, d'après le communiqué, je crois que cette marque a payé le prix. Cette marque a payé le prix. Merci Nasser, merci. Je dis toujours que j'ai un problème avec vous les gars. Vous dites toujours merci, j'aime ce que tu fais, mais vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Quand on aime, on partage. Partagez dans les groupes, partagez les vidéos. Prenez l'habitude là. Quand vous voyez ça vous plaît, partagez au moins dans 10, 20 groupes. Non, la tenue n'est pas encore sortie. C'est lui qui demande la tenue. La tenue n'est pas encore sortie. La tenue n'est pas encore sortie. Justement,
D'autres pays vont suivre. C'est nous qui allons faire cette marque en Afrique et dans le football. Dans le football, c'est le Cameroun qui doit faire cette marque. Cette marque n'a pas de nom. Ça, il faut être sûr. Cette marque n'a pas de nom. Je suis sûr que même 2% des Camerounais ou d'Africains ne connaissent pas cette marque. Il n'y a pas 2% d'Africains qui connaissent cette marque. Mais d'après le communiqué, on nous fait savoir que c'est le meilleur contrat. S'ils disent que c'est le meilleur contrat, ça veut dire qu'ils ont vu les autres contrats. Non, le problème n'est pas de commencer avec Kappa. C'est vrai, Kappa a déjà le nom, mais il y a l'aspect financier. Il y a cet aspect-là. Il faut investir dans le football. Il faut investir dans la jeune génération. Il y a l'aspect. Jusqu'aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que jusqu'à présent, Samuel Eto'o s'est plus focalisé sur le football au haut niveau, première, deuxième division. Mais il y a le football jeune. Moi, j'ai joué le football jeune au Cameroun. Mais avant que je ne quitte le Cameroun, je ne sais pas depuis quelle année, il n'y a plus le football jeune. Le football jeune n'existe plus. Il faut financer le football jeune. Et il faut l'argent pour financer le football jeune. Aujourd'hui, on voit la première division. On a parlé de 48 millions dernièrement. C'était beau. Mais ça ne s'arrête pas là. La base, où est passée la base? On n'a pas parlé de la base. On a dit 5 millions, ce n'est pas suffisant. 5 millions par club. Les clubs qui n'ont donc pas de U17 et de U15 font comment? Les clubs qui n'ont que les équipes jeunes là font comment? Il y a des clubs qui ne sont pas en élite, mais ils n'ont que les équipes jeunes. Il faut financer, il faut aider ces clubs-là aussi. Que les caisses soient vides ou pas, forcément la Fédé a besoin d'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Forcément, la fédération a besoin d'argent. Mon beau pays, tout comme moi, la Puma, pour moi, c'est la meilleure marque. C'est une marque que j'ai vécu avec cette marque depuis tout petit. C'était pour moi la meilleure marque, mais c'est déjà fait. Le contrat est déjà là. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Et ils nous ont assuré que c'est le meilleur contrat. Ils nous ont garanti que c'est le meilleur contrat que le Cameroun n'a jamais eu. Donc là, on comprend que l'argent a pris le dessus, tout simplement. Oui, on a besoin d'argent, c'est évident. On a besoin d'argent. Et c'est juste 3 ans, c'est pas tuant. C'est pas tuant. 3 ans pour gérer. Vous savez que Eto'o n'est pas à la fédération éternellement. Il est un temps qu'il va passer. S'il peut prendre l'argent là pendant les 3 ans là, il essaye de faire un truc. Il essaye de mettre le football camerounais à un autre niveau. Mais c'est tout le Cameroun qui profite avec toute la nouvelle génération. Oui, One All Sport, il ne faisait pas dans le football. Il n'était pas dans le football. C'est pourquoi je disais déjà au départ que c'est le Cameroun qui doit faire cette marque. C'est le Cameroun qui doit faire One All Sport. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom, mais ils ont payé le prix. Ouais, c'est nous sommes les seuls. Nous sommes le Cameroun, c'est le seul pays qui joue avec One All Sport. C'était même déjà le seul pays qui devait aller à la Coupe du Monde avec Coq Sportif. On était déjà le seul pays. Kikibi, c'est même pas, le souci n'est même pas de prendre quelque chose de nouveau. L'aspect financier, il faut l'argent, les gars. Il faut comprendre ça sur cet angle-là. Moi, perso, je vous dis, je suis déçu, hein. Là, je vous dis. Mais au moins, il y a cette phrase qui me rassure. Il y a cette phrase qui me rassure. Il y a cette phrase qui me rassure. Et ils ont misé plus sur le côté financier. C'est le plus important. Là, tout ce qu'on va tourner, c'est l'argent qui est la base. Sans argent, on ne peut pas. Si Eto'o n'a pas l'argent, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire s'il n'a pas l'argent. Oui, en Afrique, c'est clair qu'on a mis Pumao. Aujourd'hui, on veut donner le nom à One All Sport. On va donner le nom à One All Sport. On a 3 ans pour le faire. Après, on va passer à autre chose. On va beau être déçu et tout, mais n'oubliez pas qu'il y a. N'oubliez pas qu'il y a ce côté qui compte, on a besoin d'argent.
Vous croyez que tout ce que toi as dit dernièrement, vous croyez qu'il y a déjà l'argent suffisant pour faire ça, non? C'est à travers des trucs comme ça qu'il va obtenir l'argent financier, les clubs. Et plus encore, moi j'insiste sur ça, plus encore, il faut penser au football jeune. Le football jeune n'existe plus au Cameroun, peut-être depuis 2010, si je ne me trompe pas. Oui, depuis 2010, il n'y a pas le football jeune. À l'époque, nous, on jouait le football jeune chaque samedi. On jouait le football jeune, minime, cadet, junior. Mais depuis 2010, ça n'existe plus. Ah, lycée. Pourquoi vous insistez sur le bus? Le bus VIP, c'est rien. Même la plus petite des marques pouvait vous donner, pouvait nous donner le bus VIP. C'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci. Après aussi, nous on attend aussi un beau maillot, hein. On ne veut pas aussi porter n'importe quoi. On attend aussi un beau maillot. Coq Sportif déjà même se moquait de nous avec les maillots bizarres. Non, ils n'ont pas. Qui demande ça? Amen Djoumessi, ils n'ont pas donné le montant. Ils ont décidé de garder, ils n'ont pas parlé du montant. Ils ont juste dit que c'est largement supérieur à ce que la fédération a l'habitude de signer comme contrat. Ils n'ont pas parlé du montant. Ils n'ont pas parlé du montant. Ils ont décidé de garder ça pour eux. Mais tôt ou tard, ça va sortir. Bon, on dit ça va sortir. Voilà Coq Sportif qui est en train de partir. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le contrat. Hein. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le contrat Coq Sportif. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas le contrat Coq Sportif. Ouais, épée ou en pas d'accord. Pas d'accord, mais surpris. Ouais. Pas d'accord, mais surpris. Oui, c'est ce même sentiment que tous les Camerounais doivent avoir. Personne ne s'attendait à ça. On s'attendait plus, au moins ce 80% des Camerounais s'attendaient à Puma. Ou encore à Adidas ou Nike. Mais Samuel Eto'o a décidé d'aller voir One All Sport. On va s'habituer avec ce nom, hein. One All Sport. On va s'habituer avec ce nom. Voilà, tout le monde est surpris. C'est vraiment personne ne s'attendait. Ça, c'est ce qu'on appelle contre-pied parfait. En football, on appelle ça contre-pied parfait. Samuel Eto'o a lobé tout le monde. Personne ne s'attendait à voir ça. Personne ne s'attendait. Mais cette phrase, j'espère que c'est la vérité, tout simplement, que c'est le meilleur contrat. J'espère que c'est la vérité. Sinon, ce n'est que ça qui nous console. Ce n'est que cette phrase qui nous console. Il n'y a que cette phrase-là. Sinon, c'est que vraiment, c'est mort. Justement, ils n'ont pas de site dédié au football. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de relation avec le football. C'est le Cameroun qui doit donner un nom à cet équipementier. En termes de football, bien sûr. Et après, vous allez voir certainement d'autres sélections africaines doivent suivre. C'est le Cameroun qui doit donner le nom à cette marque. Pour le moment, il n'y a pas encore. Ils n'ont même pas de site. C'est difficile d'avoir même les informations sur eux. C'est un peu compliqué. Donc les gars, ce qu'on retient de ce contrat, ce qu'on retient de ce contrat, c'est que c'est un contrat pour remplir les caisses de la Fédé. C'est tout. C'est un contrat juste pour remplir les caisses de la Fédé. C'est un contrat juste pour remplir les caisses de la Fédé.
Les gens ont des salaires astronomiques, ça vient d'où? Les salaires astronomiques viennent d'où? Ouais, Eto'o nous a lobé. Il nous a mis un bon petit pont. Ça, c'est le petit pont qu'il avait mis quand il jouait à Barça. Il a mis ça. Je sais pas si c'était à quel joueur du Real à l'époque. Ça, c'est un bon petit pont qu'il nous a fait. Personne ne s'attendait à ça. Personne. Il nous a eu. Il y a un commentaire que je cherche. Pourquoi tu m'appelles? Samuel Eto'o nous a eu les gars, il nous a mis un bon petit pont. Il nous a mis un bon petit pont. Non, on va acheter. On va acheter, on n'a pas le choix, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il laisse qui entrer. Gameonesson, une page, c'est pas sur Insta qu'on voit une page, je suis désolé. C'est pas sur Insta qu'on trouve une page. C'est vrai, la page peut être sur Insta, mais c'est pas sur Insta qu'on trouve une page. Une page digne de ce nom, ça se trouve sur Google. C'est pas sur Insta. Ah, Samy, c'est un grand. Contre-pied parfait. Il nous a mis un contre-pied parfait. Maintenant, tout ce qu'ils peuvent nous consoler avec, c'est des beaux maillots, hein. Ce n'est qu'avec ça qu'ils peuvent nous consoler. Ceux qui veulent voir ce qu'ils font, ils font dans la Formule 1. J'espère que vous allez voir. J'espère que vous allez voir. Vous voyez. Ils font pas dans le football. C'est la Formule 1. C'est la Formule 1. Le basket aussi. Ils font aussi dans le basket. Mais le football, c'est le Cameroun qui doit donner leur nom en football. Ils n'ont pas encore de nom. Parlant de football, ils n'ont pas de nom. Le Cameroun doit donner le nom à cet équipementier. Non, ils vont nous consoler avec les maillots. Il n'y a rien à faire. Si le maillot n'est pas bon, c'est que c'est où la couleur du Camerounais va sortir. Si le maillot n'est pas beau, c'est qu'ils vont voir la couleur des Camerounais. Ce n'est qu'avec le maillot à l'heure si qu'ils peuvent nous consoler. Ou que Samuel Eto'o lui-même va nous consoler. Il doit nous sortir un maillot. On se rappelle déjà que le Cameroun a toujours eu à sortir des maillots bizarres. J'espère qu'ils vont nous sortir un maillot hors du commun. Un maillot qu'on n'a jamais vu dans le football. Ça, il faut ça pour nous montrer. Pour vraiment mettre cette marque en haut, il faut qu'ils nous sortent un maillot bizarre. Un maillot que personne n'a porté. Si c'est un maillot simple comme tous les autres maillots, c'est que ça ne vaut pas la peine. Kendon, fais-tu droit? C'est vrai, on a besoin d'argent. La FECAFOOT a besoin d'argent. La FECAFOOT a besoin d'argent. Moi, dans ce sens-là, moi, je suis d'accord avec ce contrat. Et moi, je vous dis, je suis d'accord avec ce contrat. C'est cette phrase, en fait, que j'attendais. L'aspect financier, si ça est assuré, ça va. C'est 3 ans. 3 ans, c'est pas tuant. On est déjà resté. On est d'abord resté avec Orsportif Sportif pendant combien de temps? 3 ans, c'est pas tuant. Après, on va aller chercher ailleurs. Parce que c'est pas une marque qui.
le Cameroun qui est en train de donner, qui va donner le nom à cette marque parlant du football. Qu'est-ce que c'est pas votre problème, mais vous voulez le beau football. Vous voulez que les joueurs soient payés, on prend l'argent où? On prend l'argent où? Il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice et c'est le sacrifice qu'ils ont fait. Pour moi, c'est beau. Le maillot est beau. Oui et puis quoi? Pour moi, il est beau. Oui et puis quoi? Est-ce qu'on mange la beauté? On ne mange pas la beauté. On ne mange pas la beauté, les gars. On a besoin d'argent. Il faut l'argent. Il faut financer le football au Cameroun. Il faut faire rêver les Camerounais étant au Cameroun, pas dehors. On peut rêver étant au Cameroun. Et le rêve, c'est dans le salaire. Si les footballeurs sont bien payés, si les footballeurs vivent à l'aise, ça fait rêver. Pas rêver que je vais aller jouer en Europe. Non, rêver qu'on va jouer au Cameroun. Aujourd'hui, les footballeurs partent. Regardez, les footballeurs partent au Ghana. Mais le Ghana nous dépasse avec quoi? J'ai vu une vague de Camerounais qui partait signer au Ghana. Mais arrêtons. Parlant de football, même parlant des clubs. Il y a quel club ghanéen qui dépasse Coton Sport ou qui dépasse Union ou Canon? Ou qui dépasse Tonnerre. Dites-moi un club ghanéen. Il n'y a pas. Mais aujourd'hui, le Ghana attire les Camerounais. La Tanzanie même. Le Soudan. Il y a une vague de Camerounais qui jouent au Soudan. Comment est-ce qu'un Camerounais va aller jouer au Soudan? Avec tout le respect que j'ai pour ces pays, mais ce n'est pas normal qu'un Camerounais parte au Soudan jouer. Il faut financer, il faut investir dans le football camerounais. Pas seulement chez les Lions, mais dans le football camerounais. À la base, il faut investir, il faut faire rêver les jeunes. Il faut faire rêver les jeunes. Thank you, Aruna. Thank you. Don't forget to share the video. Les gars, le plus important, c'est l'argent. Tous ceux qui sont surpris par ce contrat ou bien qui n'ont pas apprécié ce contrat, on nous a calmés avec l'argent. Oui. Le plus important, c'est l'argent. Et c'est 3 ans. Après 3 ans, on passe à autre chose. Je ne suis pas un suiveur. Moi, j'étais déçu. Je vous dis bien, j'étais déçu lorsque j'ai vu One All Sport. Moi, j'étais déçu parce qu'à la base, déjà, je suis un fan de Puma d'abord. Mais lorsque j'ai vu que c'est l'argent qui a pris le dessus, moi, j'ai dit d'accord. Samuel Eto'o ne doit pas rester à la Fecafoot éternellement. Il a un temps à faire. Et pour faire ce temps, pour passer ce temps et laisser ses marques, laisser ses griffes, il faut investir dans le football. Il faut mettre la barre haute. Et il faut l'argent. Il va prendre où? Vous croyez que Samuel Eto'o lui-même personnellement a assez d'argent pour financer le football camerounais? Ceux qui pensent ça se trompent. Ceux qui pensent que Samuel Eto'o lui-même a assez d'argent pour financer le football camerounais se trompent. Vous voyez les sommes qu'on dépense là? C'est pas possible. Oui, c'est normal aussi qu'à un niveau, Puma et Adidas ne proposent plus assez d'argent. Ils ont déjà le nom. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Et une chose aussi, c'est que le Cameroun a perdu aussi sa place. Le Cameroun n'est plus. Ça, on est entre nous et on se parle entre nous. Le Cameroun n'est plus ce même Cameroun. Le Cameroun n'est plus ce même Cameroun qu'il y a 10 ans. C'est normal aussi que Puma et Adidas se reculent. Comprenons aussi ça. Moi, je n'en veux même pas pour moi. S'ils n'ont pas fait une bonne offre, moi, je n'en veux pas parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a besoin de retrouver son vrai niveau. Les 3 ans s'y passés, après, vous allez voir, ils vont s'aligner. Ils vont s'aligner pour signer avec le Cameroun. Vous croyez que c'est parce on parle seulement, mais vous croyez que le Cameroun, c'est le même Cameroun qu'il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans?
C'est plus la même chose. Quand vous voyez la Champions League aujourd'hui, à peine vous avez 5 Camerounais qui jouent la Champions League. Vous croyez qu'on est fier de voir ça? À peine tu vas voir 5 Camerounais qui jouent la Champions League une saison. Le peu même qu'il y a, ils ne sont pas titulaires. Le peu de joueurs qui jouent la Champions, vous allez voir, ils ne sont pas titulaires. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, je vais poster après. Les Camerounais se retrouvent en Conference League. J'ai fait une vidéo, je vais poster ça après. Les Camerounais se bagarrent là-bas en Conference League. Je n'ai pas dit l'Europa League. Ils sont en Conference League. Et ils jouent les barrages en plus. Et c'est les meilleurs Camerounais. Muminga Malleux et Jean-Pierre Samé. Je vais profiter dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de Jean-Pierre Samé. C'est vrai que j'ai dit des trucs sur Jean-Pierre Samé. But what? Celui-ci du coin. But what's Australia net to our Cameroon Football Club in the last year? No club is doing better in any African Championship. Yes, you are right, Aruna. You are right. Mais c'est pas un souci, Aruna. Ça va aller progressivement. Ça c'est la première année. Samuel Eto'o n'a pas encore fait un an, hein. C'est pas encore un an. Ça va aller progressivement. On espère que le Coton Sport va retrouver son niveau et les autres clubs aussi doivent suivre. Mais aujourd'hui, on parle du Cameroun. On est fiers, mais sachez qu'on n'est pas à notre vrai niveau. On n'est pas à notre vrai niveau. Là, on est entre Camerounais. Parfois, il y a les querelles avec les autres pays, mais entre nous, on doit se dire la vérité. Le Cameroun n'est pas à son vrai niveau. Et il faut commencer à la base. À l'époque, quand tu voyais les gens de Makoun jouer, tu comprenais que les gens de Makoun avaient fait le même centre de formation que par exemple les Ourilien Chedjou, que par exemple les Achille Emana. Ils étaient passés dans le même centre ensemble. Mais aujourd'hui, tu vois, les joueurs sont éparpillés un peu de partout. Il faut recommencer à la base, il faut aller former à la base, il faut investir dans le football jeune. Il faut investir dans le football jeune. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas réellement. On nous a parlé de l'ANAFOOT. C'est bien, c'est beau. Il y a déjà les premiers produits de l'ANAFOOT dehors. Mais il n'y a pas assez de communication sur l'ANAFOOT. Il n'y a pas assez de communication. Pourtant, c'est la chose de l'État. L'ANAFOOT, c'est l'État. Il n'y a pas assez de communication. On ne sait pas ce qu'ils font. Oui. On ne sait pas ce qu'ils font. Comment on peut dépenser l'argent de l'État et après on ne nous rend pas compte? On doit nous rendre compte sur l'ANAFOOT parce que c'est notre argent qu'on dépense là-bas. Can you also say something? The new African Super League that will be launched next year, as announced by CAF. Bon, Oui, Mitterrand, nous, c'est. On doit agir pour nos intérêts, frère. On n'est pas là pour travailler pour quelqu'un. Nous sommes là d'abord pour nos propres intérêts. Tant que ça nous aide, ça nous permet d'améliorer notre football, on signe. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est ça, ne vous fiez pas trop à la marque One All Sport. Ne vous fiez pas trop à ça parce que ça, c'est un nom qu'on va. On va laver cette marque en fait. Le Cameroun doit donner un nom à cette marque. Ils ont payé le prix. Mais maintenant, il faut aussi qu'ils nous. On parle de foot. Ouais, on parle de foot, mais sans argent, il n'y a pas de foot. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de foot. S'il n'y a pas d'argent, on ne joue pas. Il faut l'argent. Moi, j'ai dit le problème du football camerounais, c'est la base. Aujourd'hui, l'équipe nationale, les gars jouent en pièces détachées. Tu as un Zambo Anguissa, qui est le meilleur milieu de terrain africain actuellement. Je ne le dis pas parce que je suis camerounais, mais le niveau de jeu de Zambo Anguissa, il est le meilleur en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il porte le vert ou jaune? Voilà la question. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il porte le vert ou jaune?
Betting quoi? Il n'a pas ramassé Betting quoi? Betting quoi? Il n'a pas ramassé. Tchefa Franck, on est déjà surpris. On est déjà surpris parce qu'ils ont versé plus d'argent que les autres. Que les autres équipementiers. Là, c'est déjà une grande surprise. Mais ça fait notre affaire. Non, laisse Kessié, frère. J'ai pas fait l'erreur. Je connais bien Kessié. C'est pas parce qu'il a signé au Barça. Je connais bien Kessié. Techniquement, Zambo Anguissa est plus fort que Kessié. Techniquement, c'est pas parce que je suis Camerounais. Techniquement. Bon, ces deux joueurs, quand même, c'est quand même sur la balance. C'est un peu équilibré. Kessié et Zambo Anguissa actuellement en Afrique. C'est équilibré. Lorsque j'ai dit Zambo Anguissa, avec Kessié, quand même, c'est équilibré. Mais techniquement, Zambo Anguissa a un niveau. Mais voyez ses matchs. Voyez ses matchs. Pas ses matchs avec le Cameroun parce qu'il ne fout rien lorsqu'il joue avec le Cameroun. Mais lorsqu'il est là-bas à Naples avec son président, depuis je veux même parler de son président là. Son président qui dit qu'il ne veut plus signer les joueurs africains. Lorsqu'il est à Naples, il donne tout. Mais dès qu'il vient mettre le vert ou jaune ici, ça devient un autre joueur. Donc les gars, ce qu'on retient de One All Sport, c'est que One All Sport a versé beaucoup d'argent. Ouais, tu as dit tu prends Kessié, c'est ton choix. Hein? C'est ton choix. Moi j'ai dit techniquement, Zambo est au-dessus de Kessié techniquement. Après, il y a d'autres aspects aussi où Kessié est devant Zambo Anguissa. C'est ton choix. Les gars, je vous dis encore, tous ceux qui chaque fois viennent sur les vidéos, disent merci, merci. Le temps que vous prenez pour écrire merci, prenez ce même temps pour partager plutôt. C'est le plus important. C'est le plus important. Si vous voulez qu'on avance, parce que quand on ne partage pas, moi, ça ne m'encourage pas, ça ne me motive pas à faire plus. C'est vrai, il y a beaucoup d'abonnés, mais après les vues. C'est le partage qui est le plus important. J'ai vu, je partage dans au moins 5-10 groupes pour encourager. Quand je viens, je mets une vidéo, je viens, il n'y a pas de partage. Moi, perso, ça ne m'encourage pas à faire d'autres vidéos, à faire des recherches. Parce que tout ce que je fais, c'est sur la base des recherches. Je n'ai pas tout ça ici bloqué dans ma tête. C'est sur la base des recherches. Je ne veux pas parler du temps et de l'énergie, tout ça. Mais non, tout ce que je vous demande, c'est juste de partager. Partagez, prenez cette habitude-là que quand vous voyez les vidéos, vous partagez. Je parle même pas du live parce que moi, j'ai pas l'habitude de faire le live. J'ai juste voulu faire un truc vite fait comme ça là. Je veux pas parler du live, c'est pas le live, c'est pas trop mon truc. J'ai pas le temps pour le live. Non, t'inquiète, les Camerounais vont acheter. Les Camerounais vont acheter, tu vas voir. Attends qu'ils sortent un truc extraordinaire là. Les gars vont acheter. Moi-même, je suis le premier. Je n'ai pas porté le mot coq sportif parce que j'étais un peu. Cette marque, j'aime pas trop cette marque en termes de football. J'aime pas trop. Ils font des bons trucs, je ne dis pas non, mais quand même, on parle du Cameroun. Et aussi, le côté financier, on ne connaissait même pas. Mais là, on a l'assurance, on a la garantie que One All Sport nous a donné plus que toutes les autres marques. Ça, c'est à féliciter. Ça veut dire que c'est un bon contrat. Ça veut juste dire que c'est un bon contrat. On retient juste l'aspect financier. Le bus, ceux qui veulent s'attarder sur le bus, tout le monde pouvait donner le bus outstanding VIP. Tout le monde pouvait faire ça. Tout le monde, même le dernier des équipementiers, peut donner un bus VIP outstanding et tout. Tout le monde peut faire ça. Mais c'est la phrase où. Le communiqué dit, eu égard de la... Non, c'est même ça. Hein? Non, c'est pas ça. Le communiqué, la partie là, c'est... Dans le cadre de l'exécution de cette convention qui a d'ores et déjà été approuvée par le comité exécutif de notre instance, le nouvel équipementier s'engage à verser à la FECAFOOT une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants. Et encore, la suite dit que, mais elle,
est en mesure d'assurer qu'il s'agit, écoutez bien, elle est en mesure d'assurer qu'il s'agit du contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun. Contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun. Ça, c'est la meilleure phrase de tout le communiqué. C'est la meilleure phrase. Ça veut dire que vous pouvez aller voir. L'équipementier, c'est un équipementier américain. Ça veut dire que si vous pouvez aller voir tous les autres contrats passés de Puma, de Coq Sportif, toutes les autres marques, vous allez voir que One All Sport est au-dessus de tout ça. Bon, nous sommes aussi en 2022. Le football a aussi évolué. Le football a évolué. Si à l'époque Puma nous donnait 10 millions en 2010, aujourd'hui, 10 millions, ce n'est pas les mêmes 10 millions en 2022. Donc, il y a aussi ça qui compte. Donc, on ne nous, parfois, même ça peut aussi nous tromper. C'est vrai, on va être fier que l'aspect lucratif et tout. Mais il y a aussi le, il y a aussi l'inflation qui compte. On ne parle même pas de ça. C'est pourquoi il faut connaître le montant. Il faut connaître le montant. Tant qu'on n'a pas le montant, vraiment, on ne peut pas être sûr. On ne peut pas être sûr. Parce que Puma pouvait peut-être nous donner 10 millions en 2010. Aujourd'hui, One All Sport nous donne 11 millions en 2000, en 2022. Vous pensez que 10 millions en 2010 est plus beaucoup, est plus petit que 11 millions en 2022? Ceux qui pensent comme ça, c'est faux. C'est faux. Ceux qui pensent que 10 millions en 2010 et 11 millions en 2022, c'est la même chose, les gars, vous vous trompez. On doit connaître le montant pour vraiment conclure. Là, on ne peut pas conclure, on ne peut pas savoir. Mais quand même, la phrase nous rassure. La phrase nous rassure. L'agent bon, toi, tu es trop négatif, hein, Iron Mani. Comment l'argent va aller dans la poche des escrocs et des mouilleurs? Pour que ça n'aille pas dans la poche des mouilleurs, il faut donc aller former. Il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes. Il faut plus miser sur les jeunes. Tout le premier mandat, en fait, la première saison de Samuel Eto'o, il a investi dans le football jeune. Il a investi dans le football, dans l'élite. Elite One, Elite Two. Maintenant, il faut investir dans le football jeune. Il faut investir dans le football jeune. Mylène et Thomas, on a fait un excellent deal. Ouais, on peut le dire. Oui, le montant, je n'ai pas dit non. Le montant, c'est la meilleure offre. Je n'ai pas dit non. Mais après, pour connaître, il faut aussi savoir le. Bet no money, tu fais partie de ceux qui disent que où Eto'o dit va, je vais. Hein. Pas forcément, hein. Il faut toujours se poser des questions. Il faut pas tout accepter. Il faut toujours se poser des questions. Faut pas être des moutons. Montrez quoi, Georges Mime? Montrez quoi? Les maillots ne sont pas encore sortis. S'il y avait les maillots, je devais vous montrer. Il n'y a pas encore les maillots. One All Sport ne faisait pas encore dans le football. Donc, ça doit être les premiers maillots football. Ils faisaient dans le basket et l'esport de l'escrime. L'escrime, autant pour moi. Donc, il n'y a pas encore de maillot football. S'ils avaient déjà les maillots football, on pouvait aller regarder à côté et voir ce qu'ils ont déjà fait. Air Force, bonsoir. Bonsoir, Air Force. Ouais, c'est tout, Youssouf. C'est tout ce qu'on espère. Le bon maillot. Le bon maillot. Il n'y a que ça qui peut nous consoler. Parce que nous aussi, on doit aussi profiter. Ce n'est qu'avec le bon maillot qu'on peut aussi se vanter qu'on est Camerounais. S'il n'y a pas de bon maillot, qu'est-ce que nous aussi, on profite?
Il faut seulement le bon maillot. C'est là-bas que nous on attend cette marque. Cette marque doit sortir un maillot qui sort de l'ordinaire. Cette marque doit nous sortir un maillot, ceux qui se rappellent de 2002. Ceux qui se rappellent de 2002 doivent nous sortir un maillot bizarre. Le maillot là doit être bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre, mais ça doit être un maillot bizarre pour aller à la Coupe du Monde. Ouais, ils vont s'entraîner sur nous, c'est une évidence. Ils vont s'entraîner sur nous, mais ne t'inquiète pas, ils nous ont bien payé pour ça. Ils nous ont bien payé pour ça. Si nous payent bien et ils s'entraînent sur nous, il n'y a pas de problème. C'est si tu ne payes pas qu'il y a problème. Pour le basket, allez sur le site, vous allez voir. Mais pour le basket, ça n'a rien à y voir. Vous allez voir et après, quoi, ça n'a rien à y voir. Si vous voulez, j'ai quelques exemples de basket ici. Quelques exemples de basket. Voilà la maison One All Sport. Voilà ce qu'ils font. Voilà la maison Instagram. Ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Donc ils peuvent bien s'entraîner sur nous. Monsieur Samuel Eto'o veut redonner la grandeur au football camerounais avec l'argent. On va améliorer notre pays sportivement parlant. Je suis très d'accord avec toi, Ojon. C'est cette vision-là que moi-même j'ai eue. Je suis très d'accord avec toi. Ce n'est que ça, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut expliquer. Il n'y a que ça. C'est pour prendre de l'argent, aller investir. On va prendre l'argent là, aller investir. Les lions, quoi, incompatibles. Romaric Tchakoutio, il n'y a pas de chiffres. Ils n'ont pas donné les chiffres. Mais ils nous ont juste garanti que c'est le plus grand. C'est le plus grand. En fait, c'est le plus grand contrat. C'est le meilleur contrat, financièrement parlant. Le côté lucratif est assuré. La FECAFOOT n'a jamais eu un contrat comme celui-ci. Là, au moins, on a la garantie. Mais on n'a pas les chiffres. Il n'y a pas les chiffres. La FECAFOOT a dit dans son communiqué, eu égard à la confidentialité contractuellement exigée par son partenaire, la FECAFOOT s'abstient de publier le montant exact de la transaction. Donc, il y a ceux qui attendent les chiffres, ce n'est pas pour maintenant. On espère que quelqu'un va voler ça à la FECAFOOT et nous montrer. On a les espions partout. On espère qu'on va avoir ce contrat. Justement, Iron Mani, maintenant tu rejoins ce que j'étais en train de dire. Quand tu dis si c'est juste 1 million de plus, tu justifies bien ce que j'étais en train de dire. L'écart doit être vraiment grand. L'écart doit être grand. Parce qu'après, si ça passe, si ça tourne mal aussi, on va avoir honte de. On doit avoir honte après. Donc, quand je dis garantie, le contrat nous dit que c'est le meilleur contrat, c'est tout. Quand je dis garantie, c'est le communiqué de la fédération. C'est la garantie qu'ils nous ont donnée que c'est le meilleur contrat. C'est pas comme si c'est une garantie, un truc qu'ils ont. C'est juste pour nous dire que c'est le meilleur contrat. Donc, on ne s'inquiète pas de ce côté-là. Mais moi, je suis d'accord, je suis déçu par cette marque, par la signature de ce contrat. Mais je suis d'accord que ça soit un contrat qui puisse aider le président de la FECAFOOT à investir dans le football camerounais. C'est plus ça qui m'intéresse aussi.
On va avoir les beaux maillots. Pouma va nous donner les beaux maillots. Et puis quoi? On va vendre même les maillots. Vous croyez que l'argent va tout rentrer dans les caisses de la Fédé? Non. Pouma, une grande partie. Donc c'est mieux le direct, comme cette marque-là qui va donner assez d'argent d'abord directement. Après la vente des maillots, si vous voulez, vous ne vendez pas les maillots, non, on n'a plus de problème. On va prendre l'argent, aller investir dans le football camerounais. C'est ça, c'est de ça qu'on parle, c'est le plus important. On va prendre l'argent, aller investir dans le football camerounais. Après 3 ans, vous dégagez. C'est sûr qu'on ne va pas renouveler ce contrat. Après 3 ans, vous partez ailleurs. C'est juste 3 ans, c'est pas tuant. On a une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique. Peut-être deux Coupes d'Afrique. Je ne sais pas s'il y a la deuxième Coupe d'Afrique. Mais il y a une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique. Qui est président du football ou ministre des Finances? Qui? Il est président du football, mais il y a des contrats. Il y a des contrats qu'il doit signer. Il y a des contrats qu'il doit signer. C'est la FECAFOOT, c'est pas le ministre des Finances qui doit gérer les finances de la FECAFOOT. C'est pas le ministre des Finances qui gère les finances de la FECAFOOT. Si le contrat est bon, c'est mieux. Nous ne sommes pas forcément des agents publicitaires d'une marque. Si la FECAFOOT trouve l'intérêt du football camé, c'est l'essentiel. Exact, bien dit. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est l'essentiel. C'est tout ce qu'on veut. Vous croyez que si Pouma n'a pas bien payé, on va juste accepter parce que c'est Pouma? Non. Moi, je suis fan de Pouma depuis mon jeune âge. Mais ça ne veut pas dire que Pouma doit mal payer. On va prendre parce qu'on s'est fier de porter le maillot Pouma. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'argent. Pouma va nous donner les beaux maillots. Les gens vont porter. Mais après quoi? Après quoi? Puisqu'on parle du football. Après quoi? Le plus important, c'est l'argent, les gars. Ne soyez pas. Calmez votre colère, calmez vos tensions. Le plus important, c'est l'argent. Le plus important, c'est l'argent. Mais. Là, l'autre me demande encore le nom de la marque. Tellement c'est bizarre que vous n'arrivez même pas à dire. Eric Kanga, le nom de la marque, c'est One All Sport. One All Sport. On doit s'habituer. On va s'habituer au moins pour 3 ans. Voilà, le plus important, c'est le football camerounais. Et le football camerounais a besoin d'argent. C'est ça le lien qu'il faut faire. Le football camerounais a besoin d'argent. Du coup, on est prêt à signer tous les contrats qui font entrer l'argent dans les caisses de la Fédé. Est-ce que Shader Manga, est-ce que c'est le maillot qui joue? On veut juste que la marque mette le riz à notre disposition pour faire avancer le football. Claire, donnez-nous juste l'argent. Fabriquez même les maillots. Je ne sais pas quel genre de maillot, mais donnez-nous l'argent. On va investir ça. On va investir ça dans le football jeune. On a besoin d'argent. Et si tu disais, tu devais faire quoi? Il a besoin d'argent. Quand tu vois la dernière conférence qu'il a eue, il a promis 48 millions à chaque club de Ligue 1. Tu crois qu'il va prendre de l'argent où? Honnêtement, vous croyez qu'il va prendre de l'argent où? On parle de, c'est combien? 22 clubs ou 20 clubs? 22 clubs de football. 48 millions chacun. 100 millions au gars, au vainqueur. Mais vous croyez qu'il va prendre l'argent où? Il faut signer les contrats bizarres comme ça. Guy Lenoir, je suis fan de football, mais je n'ai pas de contrat avec football. Ah, je suis fan de Puma, mais je n'ai pas de contrat avec Puma. Donc, je porte ce que je veux. C'est pas parce que je suis fan de Puma que je vais voir un truc Adidas qui me plaît, je ne porte pas. Je suis fan de Puma, mais je n'ai pas de contrat avec Puma. Donc, ça ne m'empêche pas de porter les autres marques qui me plaisent, bien sûr. Mais ma marque, c'est Puma. Avec le temps, dans mes vidéos, tu vas voir. Tu vas constater de toi-même. Mais je suis libre de porter ce que je veux.
J'ai vu des manches porter le maillot de l'équipe de France, les gens bavardaient. Mais vous bavardez pourquoi? C'est juste un maillot. C'est juste un maillot. Le design d'un maillot peut plaire n'importe qui. Il achète, il décide d'acheter, il porte. Parce que c'est le design, pas forcément parce que c'est l'équipe de France. Après, même si c'est l'équipe de France, c'est pas un péché. On a au moins, c'est combien? On a deux Camerounais qui jouent à l'équipe de France. Donc, si je porte le maillot de Tchouaméni aujourd'hui, ou encore de Mbappé aujourd'hui, c'est pas mauvais. Donc, si vous me voyez avec le maillot de Tchouaméni, équipe de France, vous allez m'en vouloir. Non, il reste Camerounais ou de Mbappé, non? Et ça va, pourquoi tu... Donc quand je porte les trucs Nike, les trucs Adidas, ça vous dérange? Ça ne doit pas vous déranger. Si j'avais un contrat avec Puma, oui, mais j'ai pas de contrat. Aujourd'hui, on parle plus de Puma, c'est moi avec Puma. Aujourd'hui, on parle de One All Sport. One All Sport, c'est notre marque pour 3 ans. On se concentre sur ça. Donc, du coup, les gars, vous êtes en train de baisser. Comme d'habitude, vous ne partagez pas les vidéos. Vous appréciez, mais vous ne partagez pas. Si c'est le constat que j'ai fait. Vous venez dire merci, merci, mais vous ne partagez pas. Il n'y a aucune équipe. À Oudo, il n'y a aucune équipe qui porte ce maillot. Il n'y a aucune équipe. Le Cameroun doit être le premier pays. Ni en Europe, ni en Afrique. Cette marque n'habille aucune équipe. Cette marque ne faisait pas dans le football. Non, Iromani, je vais porter le maillot là. T'inquiète, je n'ai pas porté Coq Sportif, mais je vais porter le maillot là. Ils ont donné beaucoup d'argent quand même. Il faut aussi qu'on travaille aussi pour eux. Ils ont payé le prix. On doit un peu travailler pour eux aussi. On va travailler pour eux. Après 3 ans, on va laisser. Ils vont aller voir ailleurs. Ils vont aller voir les autres pays voisins qui aiment copier le Cameroun. Ouais. One All Sport. On a retenu la marque. Bon, les gars, on va se couper là. On va essayer de chercher plus sur cette marque. On va essayer de creuser. On va voir ce qui est signé dans ce contrat. On va essayer de creuser. On espère que ça va fuiter. Parce que sans les détails du contrat, c'est compliqué. On ne peut pas vraiment se prononcer. Il y a quelques phrases qui nous rassurent, mais on ne peut pas vraiment se prononcer. On va essayer de creuser. On espère que les trucs vont sortir de temps à autre. On va essayer de voir ce qu'ils ont mis dans leur contrat. Sinon, pour le moment, c'est pas très très rassurant. Hein. Pour vous dire vrai, c'est pas rassurant. Une marque comme celle-ci, où personne ne connaît, c'est pas rassurant. On va creuser. Si j'ai les infos, vous connaissez la page Facebook, Google, je veux dire YouTube, vous connaissez. S'il y a une info, on va balancer. On va essayer de creuser et voir clair dedans. Donc, la famille, comme d'habitude, je vais poster une vidéo sur les Camerounais. Les Camerounais désormais jouent en Conference League. On va les suivre là-bas. On n'a pas de choix en attendant qu'ils progressent, ils montent en Champions League. On va les suivre même en Conference League. On n'a pas de choix, les gars. Le Cameroun, c'est mauvais. La Champions League va arriver là. On aurait peut-être deux ou trois Camerounais qui ne seront même pas titulaires. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'aller fouiller en Conference League. J'ai fait un petit truc sur les Camerounais qui évoluent en Conference League. Je vais balancer ça ce soir. Je vais vous balancer ça ce soir. On a quand même une nouvelle pépite. Je ne sais pas s'il va jouer avec la Suisse. Brian Fosso. Je sais pas si vous Fosso. Je sais pas s'il va jouer avec la Suisse. Il a 20 ans. Il était titulaire même. Je vais publier ça ce soir. C'est aussi une bonne pépite. Il a 20 ans. Il joue déjà titulaire en Conference League. Au championnat suisse, il joue titulaire, c'est bon. Est-ce que tu étais en retard? Non, pas déjà. Non, tu es en retard. Est-ce que tu es One All Sport a signé le meilleur contrat avec la FECAFOOT?
le meilleur contrat que la FECAFOOT n'a jamais eu. Ça, c'est l'info qu'on peut te donner avant de partir, comme tu viens d'arriver. Non, Guy Lenoir, tu dois acheter un nouveau maillot. La Coupe du Monde arrive. Nous tous, on va acheter un nouveau maillot. On va acheter, on n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. Mais ceux qui ne peuvent pas, ne forcez pas, hein. Vous restez avec Coq Sportif. C'est le vert ou jaune. Ne forcez pas. Non. Moukoko va jouer pour l'Allemagne. Le foot camerounais est mort. Bon, le problème de Moukoko, je vous explique le problème de Moukoko. Moukoko peut encore jouer avec le Cameroun. Mais le problème qui se passe avec Moukoko, c'est que Moukoko veut jouer l'Euro l'année prochaine. Avec Armel Kocha. Les deux veulent jouer l'Euro l'année prochaine. C'est très important. L'Euro pour pour eux, c'est très important. Donc, il ne peut pas aller en Coupe du Monde. Pour ces jeunes-là en Europe, l'Euro, c'est très important pour eux. Et ils veulent jouer ça. C'est pourquoi ils ne peuvent pas venir avec le Cameroun maintenant. Peut-être après, ça va être possible. Nous tous, on sait que Moukoko est attaché au Cameroun. Il vient passer ses vacances au Cameroun. Mais si vous vous attendez Moukoko à la Coupe du Monde, vous vous trompez. Il prépare l'Euro. Moukoko aujourd'hui, c'est une pièce maîtresse chez les juniors en Allemagne. Donc, si vous croyez qu'il va venir. Non, depuis je veux faire, vous allez remarquer, je n'ai pas parlé de Jairzinho. Je vous explique pourquoi je n'ai pas parlé de Jairzinho. Stéphane Minkoulou. Non, c'est. Oui. Bien dit, à quel niveau on est? Stéphane Jairzinho. Le problème avec Jairzinho, c'est que j'ai suivi une interview la saison passée où Jairzinho a dit qu'il réfléchit encore. C'est pourquoi vous avez vu, je n'ai pas fait de vidéo sur lui. Parfois, c'est mieux même de se taire. Il a dit qu'il réfléchit encore. Il ne sait pas s'il va jouer avec la France ou le Cameroun. À son âge, il nous dit qu'il réfléchit encore. C'est pourquoi vous allez voir depuis. Je pense à lui, hein. Je pense bien à lui. Mais la vidéo là m'a choqué. J'avais même préparé un truc sur lui. Mais je n'ai pas fait de vidéo sur lui juste à cause de cette phrase. Il dit qu'il va réfléchir encore. Mais Jairzinho a quel âge aujourd'hui? Jairzinho n'est pas un enfant. L'autre jour, quand je félicitais Mbeumo, les gens viennent me raconter que. Il est déçu avec l'équipe de France, mais il est encore jeune. Il pouvait patienter. Il pouvait patienter. Il pouvait patienter, mais il n'a pas patienté. Mais Niamsi Jairzinho a 25 ans. À 25 ans, tu n'as pas encore fait de sélection avec l'équipe de France. On te donne le micro, tu dis que tu réfléchis encore si tu vas jouer pour le Cameroun ou pour la France. Mais quand même, soyons sérieux. À 25 ans, c'est ce que Jairzinho a dit. Je vais chercher l'interview là. Il dit qu'il réfléchit encore. Mais les gars, tu peux pas réfléchir à 25 ans. Et quand tu vois son parcours, c'est compliqué. Il y a les Upamecano, il y a les gars, mais il y a beaucoup de gars là-bas à l'équipe de France qui n'arrivent pas à jouer. Mais Jairzinho croit qu'il va jouer à l'équipe de France. C'est faux. Jairzinho, c'est le genre de joueur qui doit déclarer son amour. Pour le Cameroun, il doit déclarer, il doit forcer. Il doit forcer, c'est pas. Jairzinho ne peut pas rester. Merci, Marouz Mvondo. Merci. Jairzinho ne peut pas avoir 25 ans. Il nous dit qu'il va réfléchir s'il va jouer avec le Cameroun. Non, Matip, c'est mort. Laissez pour Matip, c'est mort. Matip, c'est mort, oublié. Qui me dit de fermer nos bouches? Je suis pas actualisé ici. Ceux qui pensent à Matip, c'est mort. Oui, Jairzinho, en fait, il a un problème. Il a un problème. Jairzinho, là, j'ai en train de passer. Il doit faire ce choix. Il doit forcer pour jouer avec l'équipe du Cameroun. Jude Manager, One All Sports, c'est. On va faire avec, eh. On va faire avec. Ils ont donné beaucoup d'argent. Merci, Francis Gibil. Merci. Donc, les gars, on va s'habituer à One All Sport. On n'a pas le choix. On va s'habituer à eux.
On n'a pas d'autre choix. Donc les gars, on va s'arrêter là. Tout à l'heure, je poste la Ligue des Camerounais en Conférence Ligue. Donc les gars, je vous demande toujours de partager les vidéos. Le temps de dire merci, partagez les vidéos. C'est le plus important. Partagez les vidéos pour faire grandir la communauté. Aujourd'hui, les gens partent. Aujourd'hui, les gens partent s'abonner sur les chaînes de Congo, ça, sur les chaînes où on raconte n'importe quoi. Les chaînes qui n'apportent rien. Mais ici, vous dites merci chaque fois, mais vous ne partagez pas. Parfois, j'ai pas envie de poster. Parce que je vais poster, vous n'allez pas partager. Quand je poste, les gars, partagez. C'est ça qui me donne la force. C'est ça qui me donne la force. C'est bien, vous me soutenez et tout, vous me dites merci, vous commentez, oui. Mais le meilleur commentaire, c'est le partage. Vous avez les groupes, vous êtes dans 10, 20 groupes. Partagez dans vos groupes. Si vous ne partagez pas dans vos groupes, moi, ça ne m'encourage pas en fait. C'est tout ce que je vous demande, juste de partager. C'est tout ce que je vous demande. Qui veut faire partie de la vidéo? Bon, moi, je vais prendre une ou deux personnes. François Doku, je vais te prendre. J'espère que je vais réussir. Oh, je parviens pas dans tous les cas. Échec de connexion. Non, attends, je te prends. Je vais prendre une ou deux personnes avant de conclure. Je vais prendre. Ouais, je suis sur Facebook. Je suis sur YouTube depuis. Je suis sur YouTube. Même nom. C'est le même nom sur YouTube. Si quelqu'un veut participer, si quelqu'un veut donner son avis sur One All Sport, je prends peut-être une ou deux personnes et j'arrête. Et toi, Amanda, je te prends. Merci, aimant et donc. Merci, c'est le partage qui donne la force. C'est le partage qui donne la force. Parfois, tu te lèves et tu n'as pas envie de faire des recherches. Mais quand tu vois les gars partager, ça te motive encore. Les gars, vous demandez, vous demandez, j'accepte, vous ne prenez pas. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est votre connexion ou bien quoi. Il y a quelques personnes qui me demandent l'ajout, mais. Donc, les gars, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais poster tout à l'heure la vidéo sur Nos Lions en Conférence League. Je poste ça tout à l'heure, en fait ce soir. Il y a aussi un monsieur qu'il faut qu'on calme ses instincts. Il y a un monsieur qu'on appelle Serge Pincilla qui exagère un peu. Il est en mission. Il est en mission pour salir, pour déstabiliser et tout. Il doit se calmer un peu. Merci à vous, Victor Pondo. C'est vous qui me donnez la force, les gars. Quand vous partagez, ça me donne la force. Et merci à vous tous, les gars. Merci à vous tous. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de prendre l'habitude de faire les lives comme ça où on va discuter. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment assez de temps pour faire les lives, mais je vais voir. Parfois, c'est bien de discuter avec vous, d'interagir avec vous directement. Parfois, c'est aussi bien. Merci, Citizen DK. Merci, gars. Merci, François Doku, Daku Kamtu. Moi, comme je vous dis, c'est juste le partage. Ma force. Le live, c'est mieux, Iron Mani, mais il n'y a pas toujours le temps pour le live. Tu sais, le live, tu es bloqué. Par contre, les vidéos que je fais juste les recherches quand j'ai le temps. Je fais un petit montage et je vous balance ça. C'est juste le partage que je vous demande. Et avec les lives, je ne sais pas encore, peut-être ça va me donner la possibilité aussi que vous m'encouragez aussi, même financièrement. Là, je ne sais pas encore. Non, il ne m'appelle pas. Bon les gars, merci Risbil premier.
Bon, les gars, merci à vous tous. On se prend à ce soir. Je poste une vidéo ce soir. Merci encore à vous tous, les gars. Partagez les vidéos. Partagez toujours les vidéos. C'est très important. Ça donne la force, les gars. On se capte. À plus.